Dans le dossier Digicel à l'hôtel Calico Beach, là, Bagala prend l'autre phase. Problème internet Digicel là, pour Jean Mouela, Bagay ça a beaucoup à résoudre. Nous allons plusieurs semaines encore, internet là pas bon dans la compagnie Digicel. Parce que propriétaire hôtel Calico Beach là, lui fait gros déclaration, lui fait connaître, lui même en tant que maître hôtel là, li pa ka gen accès pour entrer dans propre hôtel li à cause bandi qui contrôle route là qui Jean Digicel fait rive dans Calico Beach yore l'el pour demander autorisation pour entrer à gérer câble fibre optique qui gen problème qui passe sous territoire là propriétaire hôtel là li fait connaître qui Jean compagnie Digicel fait passer dans route ça qui charge avec bandi qui rapport Digicel développé avec gang. Restez là, nous va voir plus de détails. Kounya tout, question m'a posé qui Jean pour Digicel fait passer fibre optique yo sous territoire hôtel Calico Beach. Yo pas vle payer yon centime tandis que vous tout connaissez Digicel a fait million sous deux peuples haïtiens. Yo monté plan minute yo. Les ouvre, yo prend internet là, yo fait ça ouvre avec. Même que vous fait ou font un plan internet, jodi a la ou pas ka utiliser à cause net la pas bon. L'argent a gaspillé, yo pas remettre l'argent. Hein, qui j'en fait pour passer cabio sous territoire hôtel Calico Beach et puis tout, il va le payer un centime. Est-ce que c'est parce que mettre hôtel là sorti nek tête green qui fait que bourgeois cheve si ou elio a exploité pour elle pour égarer yo pas veut payer et ça me dans me connaît regardez vidéo ça jusqu'à la fin on va faut tendre mettre hôtel ça et puis tout on va bon détail avec précision qui ça qui la cause Digicel gè problème internet pas oublier nous même nous ce channel qui bail 100% vérité a là pour informer ou m'a demandé pour like abonner peser sous cloche notification retirer le sous personnalisé sous tout pour les nouvelles vidéos pour pas rater dans dossier Digicel nous tout connaît moun k'ap servi avec SIM Digicel gros problème internet dans réseau ou même là ouais ça plus grave là gen problème internet sous mettre comme sur téléphone ou la kounya ou essayer faire plan valider. Mais pour fonctionner avec plan, mais comment mieux comme rapport, sous capable faire moi ou fonctionner avec plan. Tenez bien. Digicel a traîné depuis week-end là à cause yon panne fibre optique, c'est lui-même qui porte internet dans pays d'Haïti. Réseau internet là et qui ne compagnie téléphonique Digicel là tombé, il tombé en panne depuis samedi qui était 14 septembre 2024 là. Bien bonne le matin. Selon Jean-Philippe Bouin, qui est directeur général de la compagnie Digicel, c'est un câble avec wireless et sous-marin qui coupé dans la zone côté hôtel Calico Beach. D'après Jean-Philippe Bouin, c'est maître hôtel là qui empêchait les techniciens à réparer comme ça qui était déjà gain et juge de paix à la police qui était mobilisé pour te faire ça. Kounya la raison pour laquelle maître hôtel Calico Beach pas voulu quitter technicien entrer pour aller gérer réparer câble là c'est parce que Digicel doué hôtel Calico Beach, yon voum l'argent. Tendez bien, zami auditeur auditrice. Nan condition yo, c'est Digicel qui viole le. Qui viole le contrat, li te gen avec met hôtel Calico Beach la. Digicel te gen yon entente qui c'est 48 millions de dollars chaque mois avec met hôtel la qui c'est Emmanuel Fritz Paré.
qui c'est PDG hôtel Calico Beach là. Diesel fait 4 l'année. Li pa bay yo good jusqu'à ce que dossier aller devant la justice. La justice t'est posé scellé sous côté négali sous compte bancaire Diesel yo kounya là câble a tombé en panne. Emmanuel paraît qui c'est PDG hôtel Calico Beach lui dit avant yo monter sous terrain lien qui c'est hôtel Calico Beach faut Digicel paye dette li yo avant. Allez bien, faut Digicel paye dette yo avant. Koun ya la depuis qu'il est et hôtel Calico Beach te gen rapport avec Digicel, li te ba accès pour te passer fil ça son câble fibre optique pour te passer en bas en mai sous territoire hôtel Calico Beach là. Tendez bien. PDG hôtel Calico Beach là, il déshabille Digicel, il démasque. Emmanuel fait connait que qui se met hôtel Calico Beach, il était entendu avec Digicel depuis année 2019. Imagine, 2019 fait 2020. 2021, 2022, 2023, 2024, n'est qu'à dire 12, 24 et 36, 36, après 48, après 48 là, après 2019, get a bail et 60 mois depuis Digicel pas payé en good, non contrat est signé. La gens ça qui est en monté avec 2.5 millions de dollars avec de copier pour haut. Depuis 2019, compagnie Digicel avec hôtel Calico Beach, yo te gen rapport. Hein? Li te bay accès avec Digicel pour te passer câble fibre optique sorti direct dans pays États-Unis. D'après yon lettre responsable hôtel là, mettez d'ailleurs Digicel doué 2.5 millions de dollars pour cap ça li passé sous territoire là. Li pa jam bali yo centime. Emmanuel dit li gen gros doute sur Digicel depuis les bandits te fin attaquer hôtel li a. Responsable hôtel là mandé pour Digicel payer l'argent avant même avant opération yo fait. Ça veut dire là avant même yo réparer câble qui gen problème nan, faut que Digicel remette l'argent li doit. Kounya là qui ça qui fibre optique là femme ou bien pays d'Haïti pas grand pile câble ça qui sorti dans pays. Attendez bien, moi crois que Haïti gen seulement deux câble fibre optique. Yon sorti de États-Unis direct pour passer sous la mer à la rivée dans le territoire Calico Beach. Pas grand pile. Un petit peu minime qui est lié. Bah, tout ce qu'on y a là, qui ça qui câble fibre optique là? Câble fibre optique. C'est lui-même, n'a pas regardé sur l'écran. Son gros fil, qui gagne un petit fil petit, qui gros son cheveux, qui passe en dedans gros comme ça. C'est lui-même qui portait Internet là-bas nous. Dans le pays d'Haïti. Ou bien tout, nous connaissons Internet qui fonctionne avec des satellites. Mais nous connaissons, dans les satellites là, nous avons un petit problème, nous avons un mauvais temps, nous avons un appli tout, nous avons un abgondé, ça nous avons rendre un retard dans le système Internet satellite. Mais nous avons tout, pour rendre le plus possible, plus rapide, nous avons obligé d'utiliser un câble qui est le câble fibre optique. À travers ce fils regarde sur l'écran là, c'est lui même qui fibre optique là, qui gagne qui petit lumière. Ouais, ça ouais, on petit filtre transparent. Pas fil courant non, on petit filtre transparent à travers ce lumière ça qu'à aller venir. Connait vitesse lumière son bail qui rapide, qu'à aller venir dans câble là sorti côté sorti ça pour arriver dans pays dans pays d'Haïti, c'est lui qui grâce avec lui même que nous ca utiliser internet. Ouais, c'est grâce à lui même nous ca utiliser internet là. Je regarde sur l'écran là, c'est lui qui fibre optique là et puis regarde le câble noir, c'est lui même qui câble et c'est lui qui câble fibre optique là. Attendez bien. Voilà, ça son câble qui passe en bas en mer.
Gardez bien, on regarde là, câble sans balle en mer là. Et ensuite, on regarde là encore, on regarde les sous-marins pour les câbles qui problème parce que les ça mon qui descend en bas là, cal ranger câble là. Et ça c'est un technicien. Câble qui gagne problème parfois que qu'on gagne les sous-marins qui passé en bas en mer, il ça qu'on frapper dans câble là, il crever câble là coupé. Depuis deux gagne câble coupé, faut revoir un technicien en bas en mer là. Pour aller réparer le câble. N'a regardé là, ça c'est moun qui plonge en bas la mer, cal gérer câble. Kounya la câble ça là, nous va gagne pile qui dans pays d'Haïti. Nous qui seulement deux câbles Haïti. C'est grâce avec eux même qui rend que je dis là au café en plan internet sous notre compte ou Digicel et puis tout ouais, on passe l'huile, on passe soie. C'est grâce avec lui même. Mais kounya la m'a dit nous bien pour Digicel prend un câble sorti dans pays États-Unis, li passer sur territoire hôtel Calico Beach, li pa payer un good. Pour qui ça pa payer good là? Tandis que me connaît Digicel a fait million plan yo. Yo monter plan là ouvlé. Appel yo faut coûter, appel yo coûter bien cher. Hein? Il va jouer ou ta mettre 1000 good minute là sur téléphone nous, oublier faire plan, ou commencer parler. Ou pas même faire inet en parler, mais que la tête en volé, donc on l'a fumé, puis disparaît dans le monde. Imaginez-vous, pour Digicel, pour antenne, lui prend le câble à passer sous territoire hôtel là, t'as un contrat qui est signé, lui pas respecter le contrat, voilà, on prend mettre hôtel là pour on égarer, comme ils ont signé tes graines, on est noué. Li fin redi acheter territoire, li fait hôtel li, et puis c'est là même où tu visé, où tu passé câble là. Qu'on a pour le taxe sur l'argent, ou pas le payer, et mi a joué. Ou même là, qui met hôtel là qui c'est Emmanuel. Que Emmanuel campé dedans. Oui. Pour pas quitter nèg yo entrer sur territoire pour venir résoudre, pour venir gérer problème qui gagne. Tout autant nèg yo pas payer l'argent ça. Parce que du c'est dans le pays là. Nèg sa ou fait ça ou vle. Yo bon, vie service yo. Ya faut payer un service LTE, 4G LTE. Tandis que ou a l'an pa ou. Ou ka l'an tout, il va passer 4G LTE Digicel là. Dans tout grand pays, tout nous gen 5G. Mais nous même là, nous gen 4G. Tout 4G yo, nan 4G sa gen DGPT. Oui, gen DGPT nan 4G, Digicel a profi nou nan pays d'Haïti. Clé. On a fini passer câble là, nous parler payer un centime. Quand on parle plus loin avec là, on t'a dit est-ce que c'est parce qu'il met hôtel là, ce n'est que des graines, il pas bourgeois. Il possède un bel hôtel comme ça, un gros hôtel comme ça qui rend que nèg veut exploiter gratuit chéri, il va venir respecter contrat. On pense si Digicel là, c'est en bas Miami Beach, il est passé comme ça. Il va payer l'argent. Oui, il t'a payé. Il t'a respecté le contrat. Pour nous là, on va aller plus loin. Qui j'en fait pour mettre l'hôtel là, pas accès pour aller dans l'hôtel là? À cause de bandits sur route là. Bandits pour espace, on contrôle l'espace là. Qui j'en pour Digicel faire arriver dans l'espace comme ça? Et les bandits au campé, ils disent, ah, c'est Digicel, nous venons résoudre les problèmes et internet là. Qu'on a bandit, on dit, ah, comme c'est Digicel, nous besoin d'internet là. Pas sur Metali, dame comme ça. Quand y a là tout, qui rapport Digicel développé avec Bandio? Parce que même quand il allait plus loin, il dit, lui doutait de Digicel. Depuis les bandits finent attaquer hôtel là, il y a un gros doute à travers Jean Digicel campé là. Oui. Nous avons Emmanuel qui se met hôtel là, dans une interview, lui bah un journaliste, un confrère journaliste. Mal invité au temps de. Et bien, laisse ça, vous avez une idée sur ce que vous avez dit. Parce que Emmanuel, c'est mettre affaire, c'est mettre hôtel là. Il va avoir plus de temps et précision. Qui ça, Digicel fait? Qui coûte intelligent? Digicel a joué sous lui par rapport avec le câble fibre optique ça, qui passe sous territoire. Il va jamais avoir un centime depuis 2019. Comme ça, passé sous territoire hôtel Calico Beach là. On a dit celle dit qu'on s'allume, il va de yo good avec hôtel là
c'est menti mais hôtel a fait qu'on a su pas d'un goût et mais hôtel ça et pour lier hein c'est pour moi papa ou mais hôtel là qui c'est Emmanuel il te dit comme nous moi ne pas voulez payer m'a vendre nous hôtel là m'a vendre nous hôtel nous Digicel Beach m'a vendre nous espace là parce que espace pour moi et nous voulons aller pour nous lier nous passer câble en bas là nous pas voulez payer un goût m'a vendre nous mais vous pas acheter mais si nous pas acheter comme qu'on a réseau à tomber en panne hein on dit bien c'est réseau primaire qui en panne là oui si ouais mon cap servir avec sim digital yo qui j'ont internet c'est réseau secondaire qui passe c'est domaine et lui qui fait que nous avons internet là mais réseau primaire depuis en panne là hein imagine nos réseaux secondaires tomber en panne nous mettre net a dit nous pas qu'à regarder Facebook ni YouTube ni TikTok ni Instagram ni WhatsApp nous pas faire rien avec la paix bloquer dans nous là hein gouvernement fait bouche dossier à tout oui il y a un ministre qui relé mais hôtel là qui mandé pour Digicel entrer dans espace là pour venir résoudre problème qui gagne mais hôtel a dit non parce que Digicel de l'argent il pas voulait payer pendant réseau tout en panne c'est la meilleure façon, pi bon moment pour Digicel payer l'argent qu'il doit pour l'entrer dans l'espace là pour la réparer câble fibre optique qui gagne problème là pour rétablir réseau internet là. Malé, on a entendu Emmanuel dans une interview, il était avec un confrère journaliste et m'a demandé pour obtenir la demande pour liker, abonner, peser sur cloche notification, retirer sur persuasion mais sur tout pour la nouvelle vidéo pour pas rater. Espace là qui empêchait comme si et communication passait bien. Est-ce qu'on va nous faire ou bien sans panneau pas rentrer dedans? Qui ça fait comme si je dis on est tout plein ça parce que mon dit pas jouer internet mais est-ce que c'est un sabotage que nous faisons, son blocage que nous faisons, c'est entrer dans le rentrer pour être capable de venir travailler. Qui ça bagaille aujourd'hui? Monsieur, bon, un seul bagaille que je connais, zone là dirigée par bandit. Et moi, je trouve que, you know, même, ça c'est hôtel moins. Moi, pas qu'à prendre machine moi. Pour la route nationale pour vivre dans l'hôtel. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment le technicien Digicel fait vivre en l'air. Je ne sais pas comment le technicien Digicel fait passer n'importe quoi, 4 checkpoints de bandits. Ils même ils vivent en l'air et ils sont toujours en l'air. Je dis à la, même moun qui te crasé hôtel moi je dis à nous ouais bon avant hier nous ouais une technicien Digicel li paraît avec une bandio qui toute zone la connaît et yo dit la entrer dans hôtel là ça veut dire bon m'pa konn qui relation Digicel gain avec moun sa yo en l'air m'pa konn sa ka passé parce que m'dou m'pa là pour 2 ans moi seulement konnen yo di m gain problème en dan yo gain pour régler mais même moi gade yo m'di bon m'pa ka kite entrer pour faire rien ou gain on dette pour moi nous gain un bagage en cour dans la justice c'est après on joue, puis même Israël, il dit moi, tout pays n'a pas internet parce que il y a un problème en temps. Qui est-ce qui est là? Premier ministre Israël, premier ministre Israël, il dit moi, il y a un problème en temps, Digicel besoin d'entrer. Il dit premier ministre, il dit, on t'a remis, fait tout ça pour faire, hein? Mais nous avons. Nous avons un problème à Digicel, nous devons nous payer l'argent pour presque 5 ans. Nous avons remis, nous disons un bagage avant de rentrer. Juste dis-nous un bagage. Soit payer un peu, ok, soit payer un mois, soit renégocier, dis-nous un bagage. Moi, je suis un monde, je suis un investisseur, je suis un copain de l'autre. Mais le Premier ministre dit-moi,
dossier ça pas pour lui. Seulement, il a besoin de Digicel pour entrer. Premier ministre dit tout, il dit, et nous comprenons tout, parce que il dit, moi, pays a gagné en pile crise, moun pas qu'à parler, la police pas qu'à parler, so li pas vraiment concerné avec sa Digicel gain pour moi, et il a besoin et téléphone là pour marcher encore, internet pour marcher encore, après ça, mettre réglé à faire ma Digicel. Dans le moment ça, je fais le premier ministre parler avec avocat. Et avocat, si j'ai deux avocats à Haïti, je suis dans le cabinet. Et je fais le premier ministre parler avec avocat. Et jusqu'à présent, je suis dans une information pour ça n'a fait. Ok? Et bon. Le gros problème que j'ai, c'est de ne pas comprendre comment Digicel pensait qu'il a exploité thème, qu'il a fait ça, qu'il voulait, et qu'il n'a pas pour payer nous rien. Je ne peux pas comprendre comment Digicel, parce que Digicel, lui-même, il a mis 1000 gouttes dans le téléphone, les minutes là fini. Il finit, il a coupé. Mais, comment yon même yon vle faire business dans le pays, mais yon pas vle payer espace côté la faire business? Qui côté yon fait bagay ça? M'ba comprenne. So, même, et moi rive en point côté que m'a juste un qui sa Digicel gen pou dim. Qui ça qu'on a tel que pour dire? Parce que mais Fritz, honnêtement, d'ailleurs, vous voyez et contraire parce que Digicel dit, elle écrit noir sur blanc, il pas aucune dette envers et Pirate Hospitality SA, ça veut dire pas aucune dette envers, il pas gain aucun contrat de sien. D'ailleurs, il dit contrat d'échange de services que il a gagné avec Zouek Sami sur Calico. C'était comme si question by minute et question internet, c'est ça le dégain. Et puis il dit comme ça que yo étonné les par exemple où voyez facture, un million de dollars pour yo, mais yo pas connait ou te aucun deal avant, yo pas connait que ou te aucun bagage côté que vend yo. Et puis yo pas comprendre tout et l'autre accès au 48 000 dollars par mois pour qui service qu'on offre yo. Parce que même parlé tout de ça relé et les sans pas du roi. Sans pas du roi, ça veut dire que et bolan mea, le compte de bolan mea jusqu'à 100 pas, zone ça c'est pour l'état, c'est pour DGI, ça veut dire que directement c'est pour terre bolan mea et pas terre lié parce que en Haïti on toujours dit ça tout temps dire. Ça te ca bon, si cabla rete dans la mer. Il pas rete dans la mer. Il entre dans thème directement li on dit li entre nan terre li passé sous tout hôtel là li rive juste derrière hôtel là li coupé terre en deux ça pas thème c'est ça c'était marché c'était privé ça pas en domaine l'état et m'ba comprendre dit que c'est la fait business. Même m'a fait business. Nous c'est deux compagnies privées. Yo même l'a fait business. Même m'a fait business. Bon, regardez, so, ça veut dire qu'il y a. Yo pas de espace moi. Tout business yo campé. Si tout business ou campé, de pour pas de espace moi. Même c'est comme businessman. Comme moun qui investit 7 millions de dollars là. Même m'pas intelligent pour. Ou louer au espace là m'a comprendre en tout cas dis moi mais pour nya pour pays a pour pays ya pour tout monde qui difficile jodi qui sont compte faire pour monde ça yo qui sont compte faire pour pays là qui ça difficile à faire pour monde ça yo qui ça monde qui bail dit Paul dans pays a l'autre compagnie qui te voulait entrer dans pays a pour ba nous internet, pour ba nous téléphone. Digicel bloqué tout. Qui ça Digicel a fait pour pays?
yo même yo gen un monopole dans toute communication dans pays a. Et yo pa vle payer côté la fait business là. Li pa fait sens. DigiN m'a donné le bagage. DigiCell son compagnie qui était en faillite. Ils ont doué plus que 7 milliards de dollars. C'est avant hier, ils ont joué un prêt pour payer tout le monde. Doué. Pour qui ça, ils ne peuvent pas payer eux-mêmes. Et eux-mêmes, côté mien là, ils représentaient plus que 90% de business. Bon, expliquez-moi mon bagage. Est-ce que c'est pas parce que moi c'est un jeune garçon noir qui a investi dans le pays comme si il n'y a pas gardé pour rien? Est-ce que vous avez fait même bagage comme ça si hôtel ça, you know l'autre oligarque? C'est propriétaire de hôtel ça. Est-ce que vous avez fait même bagage? Gade. Emmanuel, moi DigiCell voye un compte en fait. Moun yo, m'pa konnen. Yo voye un contrat ban mwen la. Côté il dit que nan contrat que moi ou gen moun ki te signé pour nan contrat, ban tout bon moun ki te signé pour nan contrat. Moun ki te signé pour nan contrat, c'est Jodson Leroy Rosemont. Ou moun ça? Oui, c'est yon associé yo. OK, c'est lui même qui signé un contrat. Dans le contrat DigiCell, dans le contrat que tu as avec DigiCell, il ne parle pas de l'argent même. Il dit, DigiCell est pareil. Qu'on vienne de négocier et de conclure. Tant mon seconde. Et de conclure un accord. Article 1. Dans article 1, mais. Allez dans article 1 ou mettez-le article 1 ou mettez-le article 2. Eh bien, ok. Article 1. Article 1. DigiCell et Parrot Hospitality Group conviennent de négocier et de conclure un accord d'échange de prestations de services, ce dans un délai ne dépassant pas 30 jours à compter de la signature de la présente. Campé là. Yo pas jamais respecté article 1. Pas jamais gagné rien qui négocie avec yo. Yo pas de jambes relè nous, yo pas de jambes répondre nous, yo pas de répondre avocat nous, rien. Ok. On est continué. Article 2. Passé ce délai et faute par les parties de signer le dit accord, la DigiCell devra déplacer les câbles traversant la propriétaire de Paris Hospitality Group dans un délai ne dépassant et pas 9 mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'article 1. Moyennant les contre-prestations suivantes. Comment d'aller? Il y a 9 mois pour déplacer. Ou après qu'il ait signé un contrat ça. Signé par Martin Bout, 8 juillet 2020. Bon, comme ça pas même pour vous. Si tu es au monde, dit même avec vous, tu as dit, bon, comme ça pas même pour vous. Ou abandonner. Ou tu es supposé déplacer là en 2020. Je te bats 9 mois pour faire, ou pas je me fais. Ou tu es supposé entrer dans une négociation avec moi parce que je te dis qu'il faut que tu payes 48 000 dollars le mois. Ou pas je me entre dans une négociation avec moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Mais je fais 4 années, 9 mois avec le protecteur à faire l'argent. Je ne peux pas saisir, je dis à pas bats entrer. Et puis, mais si tu as un peu de fouille. On connexion internet de 20 mégabits. Attendez, qui est-ce qui signe comme témoin? Qui est-ce qui signe comme témoin là? Jean-Marie Guillaume, directeur général Conatel. Ah, ok. Mais pour qui ça, c'est avec moi même parler là? Ou même parler à Conatel? Conatel se pose parler avec eux. Nous avons un deal qui là. Ou t'es supposé négocier avec lui? Hein? Si il pas ça, ou t'es gagné pour 8 ans fil là ou gagné 9 mois pour faire. En 2020. Mais ou comme ça yo t'es pensé? Yo pensé yo ka acheter tout le monde dans le pays. Les Jovenel mouri. Pas mouri, les yo assassiné.
li wè Ariel Henry la, yo te pense Ariel Henry tab la pou la vi. Yo pa okipe nou. Yo pa okipe nou. Koun yan jodi a yo gen problem, yo vle antre, nou di yo nou. Ou pa ka sezi. Ou pa ka di, ou pa jam gen kontra avèk nou. Ou pa ka akse kom si se men men wap gade mal. Ou gen monopole nan peyi a, pon responsibilite ou. Le ou gen monopole, tout bagay sou kontou, pon responsibilite ou. Si li pa sa, kite lot moun vin bay peyi a servis. En map dou pou ki sa yo pa avle peyi nou. Yo pa vle peye nou paske sil sa, yo fè apil moun mal menm javèm. Si yo peye nou, la oblige peye tout moun. En sa pa bon pou yo. Point ba, se sa liye. So ou met continue, m'attendo. Bon, en tout cas, Emmanuel, mwen kontan fè ti pale sa ansanm avèk ou. Mwen se populasyon plus ou mwen gwo ide de ki sa bagay la ye e non, bagay sa lou. Non, ou e bagay sa lou? Bagay la lou, komon on kompani ki fe tout kop sa, yo pa dako loue yon espas. Bon, mwen menm di yo, ou kon sa kpase, menm di yo, sa mdi yo, ou kon sa kpase, mwen achete espas la pou 7 milyon dola. Mwen mette, on lot 3.5 milyon dola nan espas la. Mwen di yo, kon, la bank, tout espas mwen, yo bali valeur de 18 milyon dola amik. Mwen di yo, kon sa kpase, map von nou espas la. Jes bezwen kop mwen bak. Ou met bom 9 milyon dola, ou kapon tout espas la, ou pa menm gen pou di lave mwen kon. Ou met relel, Digicel bitch. Ok? Li tap bon pou. Non, mais, mais laisse, 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 laisse ou presque fait 2 milyon dola ou menm, on la gagne. yo pa vle acheter espace là, yo pa vle louer espace là. Yo juste besoin exploiter espace là. Charger peuple l'argent pour acheter minute, mais yo même yo pa gen pour payer moun. Yo pa gen bill yo même. No, but, come on Gary. You a smart man. Ou sto moun intelijan pil? Si sa te Etats-Unis, yo te ka fè sa? Hein? Yo te ka fè un fil pase en ba, un hotel, Miami Beach, ou Fort Lauderdale Beach, ou California Beach, la fè un fil pase en ba, un hotel. Apre sa, yo pa ba un good? Yo exploite espace la pou preske 5 ans, pa ba un dollar? Eske sa ka fèt? Non l'autre pays. Bah ça qui va passer dans hôtel pour là ou même. En tout cas Emmanuel, moi compte fait si parler ça ensemble avec vous, même m'a tout profiter annoncer que semaine ça et alors il avec Boukanté la parole n'a visité et zone Poulette pour n'a regarder dans quel niveau raffinerie et puis l'on fin garder n'a refonti par là avant. En tout cas et qui dernier parole, qui dernier message pour la population qui a souffert là malheureusement parce qu'on est mon petit gens connecté à internet yo, qui message pour mon là. Bon, un seul bagage gadou et même si m'ai besoin perdre l'argent pour pays Haïti, pour pays côté trois timoun moi fête, pays côté marié. Si m'gen pou pèti la jam pou Haïti, m pa gen problème fè ça. Mais fòk tout moun konnen vérité a. Parce que normalement, bon, m pa ka kite peyi a. Enfin noir, en difficile kon sa, c'est ça la jwe, oui. Yo kon sa, yo konnen yo trop gros pèti. Parce que c'est celle yo même qui la. Yo pa gen compétition. C'est raison ça, monopole en États-Unis, li illégal. Parce que li crase moralité business. So normalement, même pas ka kite pays a comme ça. Mais fòk tout moun konn vérité a. Moun sa yo pa bon. Yo pa pran nou pou rien.
yo pense pays a pour yo. Emmanuel, bon moment, okay. Emmanuel, bon moment, on connaît un grand pile contact à l'étranger. Ou voilà qu'a joué un compagnie qui a peut-être 5 avions qui t'a fait vol et Port-au-Prince au Cap, Port-au-Prince au Cap. Parce que ou a parlé de monopole, mon cher Gon Sunrise là, là on si j'en dis, ou pas aucun contact, on connaît plein contact. Et ça me dit l'alva la pour tout okay. Haïtien qui a coûté à l'étranger. Est-ce que nous n'avons aucun contact pour louer 5 avions, 6 avions, même si chaque avion prend 30 personnes, 50 personnes, pour nous faire vol cap haïtien, vol dans le pays, ça va les vols interhumains. Parce que monopole là, du monde, monopole là, du en pile, en pile, en pile, en pile avec son rise. Mon cher Bamdou, il y a un pile de monde qui a besoin d'entrer. Il y a un pile de monde qui a besoin d'entrer pour investir dans le business. Mais les gens qui à qui ça m'a vivre dans le pays, ils ont une peur. Ils ont une peur de ça, parce que les gens qui ont parlé là, ils ont tout connecté. Ils ont tout fait un seul. Ils ont tout là, mais quand même, les choses ont changé. Mais il faut que nous fassions deux choses. Première chose, il faut que nous réalisions que nous pas gagné aucun politicien dans le pays qui vraiment comprend monopole son bagaille illégal. Parce que moi je dois encore l'écraser moralité dans le business.